Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car je vais vous parler de quelque chose. J'ai participé à un festival, le Festival 21, organisé par Cdiscount. Non, il n'y a pas d'effet spécial pour un petit Cdiscount. Pour Cdiscount. En gros, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, il fallait faire un petit court-métrage qui dure entre 1 minute 30 et 5 minutes sur ce qu'on voulait. Avec une seule contrainte qui donc était le temps, et la deuxième c'était de faire tomber un CD dans le court-métrage. Donc je me suis dit, toi qui fais des court-métrages, pourquoi tu ne le fais pas? Du coup je l'ai fait, j'ai tout organisé, tout cela, et j'ai tourné ce fameux court-métrage qui donc va sortir sur la chaîne en non répertorié pour que je puisse envoyer après à Cdiscount et que voilà. Donc ce que je voulais vous demander, déjà, c'est d'aller sur Cdiscount quand ça sortira, l'événement, etc. Et d'aller regarder tout le monde, ainsi que moi. Et après, pour ceux qui veulent, votez pour moi. Ça, c'est pas obligatoire. Enfin bon, ça serait sympa. Donc voilà, je ne sais pas du tout s'il sortira un jour ou pas, ou en public ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il sera non répertorié et il faudra aller voir du coup l'événement, le festival 21 de Cdiscount pour aller voter, etc. Parce qu'il y a celui du jury comme vote, celui du jury et celui du public, et vous êtes le public, donc je vous invite à aller participer à ce fameux festival. C'est tout ce que j'ai à dire, après voilà. Et pour ceux qui du coup suivent la chaîne, qui me découvrent, etc., et qui en veulent plus, l'Instagram, Rex le Fourbe, c'est toujours un peu intéressant. Intéressant dans le sens intéressant, plutôt dans le sens pour les vidéos, etc. C'est là-dessus que je pose pas mal de choses. Par exemple, quand j'ai tourné, j'ai mis sur Instagram en story et quelques photos du tournage, etc. Mais si vous êtes que sur YouTube, vous ne pouvez pas avoir tous les exclus. Et certainement que dès que ça sortira, je pense, le festival, etc., je pense que je le dirai sur l'Instagram. Donc si vous suivez pas l'Instagram, vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà. Ce petit événement arrivera bientôt. Yes! Salut! Alors excusez-moi pour le changement de vêtements, un peu de décor, un peu de glace. Bon, je fais juste cette petite partie pour vous dire que, parce que j'ai posté enfin la vidéo sur Cdiscount que j'ai envoyé, etc. J'ai tout préparé, j'ai tout fait, tout est bon. Enfin, il faut juste que je la retourne de Cdiscount pour savoir si ma vidéo est dans le règlement, etc. Enfin, si elle est acceptée ou pas. Puis elle sera, si c'est oui, et la réponse sera sur Insta, je dirais, elle sera dans, en gros, la case des nominés. Enfin, en gros, Cdiscount va faire une sorte de page avec tous les courts-métrages acceptés qui vont participer. Et dedans, il y aura les nominés, du moins je pense, enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué dans le mail, dans les nominés. Et toutes les vidéos qui seront acceptées seront dans les nominés. C'est là-bas qu'il faudra que vous vous rendiez pour voter pour ma vidéo, j'espère qu'il y aura du monde. N'oubliez pas de faire, si vous avez plusieurs appareils, plusieurs comptes, plusieurs personnes de la famille, etc., même amis, etc., n'hésitez pas à me faire, pourquoi pas augmenter plus haut, je sais pas moi. Si vous voulez faire d'autres, ça me ferait un peu chier, je vous avoue, mais bon. Voilà, pour moi, le plus important, c'est quand même le public. Parce que le jury, il peut être un peu trop professionnel ou un peu trop sur des détails. Bon, je n'ai rien contre les professionnels. Hein. Je n'ai rien contre le jury. Parce que je pense que les deux ont leur part d'importance. Mais le public, c'est quand même là où certains pourront percer. Parce que, je sais pas, un truc qui les a plu, et le jury, enfin, ou inversement, hein, ça peut être l'inverse. Le jury, ils aiment un truc et le public, il n'aime pas. Bref, je vous donne rendez-vous du coup, pas très loin de chez Cdiscount, pas réellement, mais non, sur internet ou quoi, pour venir voter dans les nominés. Et ceux qui regardent sa vidéo, j'espère pour moi, hein, parce que sinon vous n'êtes pas vraiment des abonnés fidèles. Voilà, je veux minimum 69 personnes, même plus, parce que bon, je sais très bien que je vais demander à mon entourage, etc. Je vais bien prévenir tout le monde qu'il va falloir voter, comment, etc. Donc c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo plus tard,
ouais, plutôt, allez, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram. Parce que sur l'Instagram, je vais le dire. Je vais montrer comment on fait, etc., etc. Parce que pour l'instant, je sais pas trop. Mais j'attends encore la confirmation. Ça sera sur l'Instagram que je le dirai, que c'est confirmé que la vidéo est opérationnelle. Ou pas du tout. Ça dépend. Donc sur ce, je vous laisse. Du coup, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et pour moi, ben, parti pour des lives et pour des vidéos, quoi. C'est tout. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.